Canal+, partenaire du Festival de films gays et lesbiens, présentait donc deux films qui vont passer dans la nuit gay de Canal+, demain. This is Family, de Jean-Baptiste Erika et David Dibilio. Et Fantasmerica, un documentaire écrit et réalisé par Lionel Bernard. Le documentaire, je dirais déjà bravo à énormément de points de vue, parce que je trouve même un tour de force en nous décrivant les minorités d'une minorité, à savoir les minorités de la mouvance gay, lesbienne et genre multiple, de nous faire entrevoir en ce jour d'élection américaine en plus, où un noir de première génération est élu à la présidence. Or ici ils peuvent même pas être maire, bon là ne nous égarons pas, de voir donc que les minorités sont nettement mieux intégrées que nos médias veulent bien nous le dire. Ceux qui ont vraiment voyagé aux États-Unis le savent déjà. Donc là nous nous sommes promenés dans le Middle West où il y a Borbank Mountain avait laissé une impression, Borbank Mountain, ça se passait il y a 20 ou 30 ans, et je peux dire que à cette époque-là aussi dans les campagnes françaises, c'était chaud pour les gays et lesbiennes, surtout pour les gays d'ailleurs. Donc aussi au milieu, je sais plus, du Wisconsin ou du Wyoming, c'était au milieu vraiment de l'Amérique, mais hyper profonde. Une transgenre qui ouvre un stand de tir. Ça aussi, c'est assez improbable. C'est tellement, la palette est tellement riche entre les clubs de motards qui ont dû. C'est aussi la famille. Je trouve que Family, c'est peut-être. C'est peut-être que je suis trop catholique romaine et que la famille est cette chose tellement restrictive, coercitive, où notre vie est le plus en danger, parce que quand même, c'est dans la famille qu'on a le plus de chances d'être violé, tué, tout ce qu'on veut, les statistiques le montrent. Ne nous égarons pas. Un documentaire à voir absolument.